Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique. Aujourd'hui, je vais te donner une nouvelle astuce. Mais avant ça, n'oubliez pas mon partenariat avec Labomil. Labomil est un laboratoire photographique argentique professionnel qui se situe à Besançon. Il prend les commandes par correspondance sans aucun problème. Donc n'hésitez pas, utilisez mon code Click Argentique tout attaché et vous aurez le droit à des réductions ou des cadeaux, ça dépend des périodes dans laquelle vous commandez. Voilà. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'une astuce que j'ai, que j'utilise régulièrement. C'est une astuce à la fois radin et à la fois écolo. La difficulté du fixateur, donc là on va parler chimie, si je dis, pardon, des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Moi, de ce que j'avais compris de manière chimique scientifique, c'est que le fixateur, à force qu'il fixe les pellicules, le papier et tout ça, il va retenir les grains d'argent, entre guillemets, ce qui fait que au bout d'un moment, il est saturé en grains d'argent et il ne fonctionne plus. Et la plupart des gens le mettent à recycler, le jette, alors qu'en fait, vous pouvez encore l'utiliser. Sur mon site internet, je ne précise pas de durée, de temps de durée pour mon click fix, mais sachez que vous pouvez le garder extrêmement longtemps. Mon fixateur actuel, je l'ai depuis le 22 septembre 2022, un truc comme ça. Et là, vous allez voir, je vais vous montrer, il est gris, il est dégueulasse, hein, clairement. Et en fait, pour le recycler et pour permettre de le garder encore plus longtemps, ce que je fais, c'est que je le filtre. En le filtrant, ça permet de retirer justement toutes les porosités et toutes les... Alors, je sais pas si on peut appeler ça les grains d'argent visuellement, mais en tout cas, ça retire toutes ces porosités. Et après, le fixateur, il est... quasiment comme neuf. Donc je vous montre cette astuce pour que vous puissiez essayer de garder au maximum votre fixateur. Et voilà, et bah écoutez, c'est parti. Ma bouteille, elle est ici. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elle date du 3 septembre. J'ai peut-être fait plus de pellicules que ce qui est indiqué, mais en tout cas, elle date bien du 3 septembre. J'ai commencé la filtration, et comme vous pouvez le voir, c'est tout gris. Pailleté, et regardez le fixateur, maintenant il est de nouveau transparent. Donc là je vais utiliser plusieurs filtres à café parce que voilà, hein, vous voyez là c'est encore beaucoup trop dégueulasse, donc là ça risque de ne plus filtrer. Et ma bouteille, je ne sais pas si vous le voyez, mais vous voyez, elle est complètement elle est plus du tout transparente, hein. C'est censé être une bouteille transparente. Donc là, on va finir la filtration, mais avec un nouveau filtre à café. Alors, je n'ai pas précisé, mais cela va de soi, utilisez des gants quand vous manipulez le fixateur. C'est dégueulasse! J'ai secoué la bouteille! Ça secoue mon gras. Eh, ça commence à marcher, hein? C'est pas mal, hein? Je vais remettre avec un peu plus d'eau chaude, je pense. Ouais. Ah bah non, ça tu peux pas le filtrer, non. J'ai mis de l'eau. On va filtrer juste pour l'argent. Mmh. Ah, tu veux dire pour pas le jeter? Bah on peut le mettre dans une bouteille qu'on amène à la déchetterie. Hein. Bon, voilà ce que j'ai réussi à faire, je pense pas que je pourrais faire mieux. Mais voilà, on a déjà bien enlevé quand même pas mal de choses. La filtration... Elle est en train de se faire tranquillement. Mais j'avoue, là, le filtre, il galère. Parce qu'il y a beaucoup de dépôts. Alors, je sais pas si vous voyez, mais il y a grave des dépôts. Hein. Donc là, on a fini.
Le fixateur a repris une couleur quasi transparente. Et il va être reparti comme en 40, comme on dit. Hein. Voilà, donc ça, et ben, ça va être à jeter. Ce sont des petits morceaux d'argent partout. Et du coup, le fixateur va être de nouveau opérationnel. Vous voyez, il est redevenu transparent. C'est une affaire rondement menée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, vous pouvez me soutenir désormais sur Ko-fi. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et faites de belles photos.